Europe 1, 8h32, Thomas Soto. Eh bien justement, c'est la revue de presse de Natacha Polony qui vient de me souffler ça à l'oreille. Bonjour ma chère Natacha. Allez, c'est pas vrai. Bonjour Thomas. Bonjour Julie, bonjour à tous. Alors ce matin, en une de vos journaux, on regarde évidemment au-delà des mers. La Nouvelle République, la Guyane bloquée, le gouvernement piétine. La Croix, Guyane, les raisons de la colère, l'humanité, ces services publics exsangues qui mettent la Guyane, les Guyanais dans la rue. Mais l'impuissance là-bas s'explique par la confusion ici. Le Monde, la campagne de François Fillon plonge la droite en plein désarroi. Le Figaro, la rivalité Hamon-Macron menace le PS d'explosion. Et puis le court terme cache le très très long terme. Libération nous emmène au cœur du bunker contesté de Bure qui doit abriter les déchets radioactifs de nos centrales. Déchets nucléaires, rendez-vous dans 100 000 ans. On commence par aller en Guyane, Natacha. Mais oui, soudain, la Guyane a surgi sous la plume des éditorialistes. Voici la Guyane en panne depuis quelques jours, un peu comme le gouvernement finalement, écrit Denis Domain dans la Nouvelle République. Personne ne s'en serait avisé si l'ère aérospatiale n'avait été bloquée. Kourou, c'est la petite lucarne par laquelle nos compatriotes des Amériques ont envoyé leur SOS. C'est l'arbre d'illusoire prospérité derrière lequel on ne peut plus se cacher et on ne peut plus cacher une inépuisable forêt de tracas et de misère. On ne vit pas sur les lisières de l'Amazonie, dit-il. On y survit et on y meurt aussi plus vite qu'à son heure, d'un coup de surin comme chez Papillon ou d'une décharge d'orpailleur. Loin des yeux, loin du cœur, nous avions faim de l'oublier. La réalité ressurgit tenace et obstinée. Chômage à deux chiffres, bombe démographique, inflation dopée par les métros, violence endémique. Le plus vaste territoire français, fiché comme un coin dans l'œil cyclopéen de l'Amérique latine, n'est pas de tout repos. Alors sur le site Figaro Vox, Patrick Caram, délégué interministériel à l'Outre-mer de 2007 à 2011, lui, plaide contre les clichés. 2,2% des 1 000 milliards de dépenses de l'État et de la sécurité sociale sont assurés pour les Outre-mer pour 4% de la population. Alors il faut en finir, dit-il, avec le fantasme des Outre-mer assistés. Et la Croix démontre de son côté comment la politique uniformisatrice d'un État trop jacobin fait vivre le territoire sous perfusion, tout en le coupant de son environnement local et en ne lui permettant pas de développer ses richesses. Le contraire de ce qu'il faudrait faire, un État qui administre tout, mais qui n'assume pas sa mission régalienne de protection du territoire et des populations. Voilà, une crise en Guyane sur fond, évidemment, de campagne présidentielle. Ah oui, alors, là, on étale les états d'âme ce matin. En une du Parisien, c'est le regard lointain de Pénélope Fillon, femme énigmatique, nous dit le journal, le mystère Pénélope face au jeu. Un peu plus loin dans le journal, c'est le blues de Benoît Hamon. Et puis dans le Figaro, c'est Manuel Valls qui cherche sa voix. Maintenant que Benoît Hamon a lui-même annoncé sa mise à mort, l'enceinte de ses soutiens, pourquoi attendre? Bah oui, mais sauf que justement, il devrait attendre avant de rejoindre Emmanuel Macron. Alors pour faire simple, il exclut tout ralliement à proprement parler, mais devrait cependant aller un poil plus loin et faire un pas supplémentaire. Vous avez tous compris. Quelle est la définition du poil en politique? Voilà, c'est ça. Alors pendant ce temps, l'Opinion dévoile une étude. 40% des Français voterait blanc au premier tour si ce vote était comptabilisé comme suffrage exprimé. En fait, c'est la démocratie qui a le blues. On va à Paris à présent. Mais oui, les Échos nous signalent une passionnante exposition, c'est au pavillon de l'Arsenal, sur la ville pensée par le baron Haussmann, un génie de l'anticipation. En fait, vous savez, la densité de population à Paris est supérieure à celle de Naples ou même de Tokyo. Mais en fait, c'est vivable grâce à un équilibre entre les pleins et les vides, une hauteur de bâtiments supportable, des immeubles construits autour de cours, donc éclairés, ventilés. Une ville à taille humaine. Mais le magazine 75, lui qui est très drôle, nous rappelle ce à quoi nous avons échappé. En 1925, Le Corbusier, l'architecte de la modernité triomphante, présentait son plan pour Paris. Alors son obsession, l'hygiène et l'ordre. Donc on rase le centre-ville historique, on organise la ville en grande fonction, alors à coup de concept. Hein, habiter, travailler, se recréer, circuler, on se croirait dans un programme de l'éducation nationale. Il imagine une cité d'affaires de la place de la République à la rue de Rivoli, avec 18 tours cruciformes de 200 mètres de haut, autour du boulevard Sébastopol. Et au centre, un aéroport, puisque les avions atterriront verticalement, selon lui. Et puis, traversant d'est en ouest, une autoroute large de 120 mètres. Oui, le fantasme d'anticiper le futur, ça peut facilement virer au cauchemar. Paris encore, mais conjugué au passé. Et oui, cette fois-ci, on retourne dans le passé. Si vous voulez rêver au Paris d'avant, toutes les strates disparues sous la ville haussmannienne, eh bien, le Parisien propose, en partenariat avec Europe 1, un hors-série de 100 pages sur le Paris du Moyen-Âge. Il y a des plans, il y a des reconstitutions en 3D, c'est un voyage fascinant. Et contrairement au projet délirant de Le Corbusier, on y croise avant tout des êtres humains, avec leurs croyances, avec leurs habitudes et même avec leurs métiers. Avaleurs de nef, fescus, crieurs de corps, c'est poétique.
On termine avec l'équipe, tiens. Oui, l'équipe.fr, c'est une information sur le site de l'équipe. Baby boom en Islande. Alors pourquoi sur le site de l'équipe? Souvenez-vous, 8e de finale de l'Euro, la petite équipe islandaise bat l'Angleterre sous les hurlements de joie d'un commentateur hystérique. Ah oui, on a oublié lui. Oh merci Natacha. Et eh bien c'était il y a 9 mois tout juste, d'où le baby boom. Oui, alors à ce train-là, le problème c'est que moi je pense que si les Français lisent un peu trop les pages politiques des journaux, on peut craindre à l'inverse un déficit de naissance pour janvier 2018, il faudrait faire très attention. Je suis très inquiet parce que je crois que Julie est allée en Islande à Noël, non c'est oui, ça hein. Je crois que le baby boom, c'est ça. C'est ça, elle n'y est pas pour rien Julie. Merci beaucoup Natacha Polody, la revue de presse, à demain matin.